Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo. Nous sommes le 19 octobre. J'ai été faire un tour à l'espace culturel. Cherche un manga pour ma fille, mais impossible de trouver la main dessus. Impossible de le trouver, donc je regarderai sur internet, c'est pas grave. Donc j'ai profité pour acheter le livre Mystère Trompe-l'œil, le tome 2. Comme ça, il me manque plus que le tome 1 pour le moment. Donc à Leclerc, je l'ai payé 12,25 €. Hop, je mets le ticket à l'intérieur. Donc, il y a 100 coloriages comme d'habitude. Oui, je crois. Attendez, je crois. Oui, c'est ça, 100 coloriages. Et comme d'habitude, enfin, l'image que l'on voit, un peu plus foncée, correspond à l'image, enfin, pas à l'image, au dessin animé. Exemple. Si je regarde un truc que vous allez bien voir, puisque là on voit pas très bien. Ici, là, voilà. Donc ici, on voit le visage. J'aurais tendance à dire Anna, vous savez, de la Reine des Neiges. Petite, quand elle est petite, on va voir page 25 si c'est bien ça. 24, 25, voilà. Donc c'est bien la Reine des Neiges. Si on regarde la page 26, c'est pareil, on voit un visage. Là, et la 26, ils nous disent que c'est 26, c'est Mowgli. 24, on revoit un visage. Voilà, je dirais Reine des Neiges, je pense. 24, c'est Anna. Vous voyez? Donc l'image que l'on voit. Ah, je suis curieuse de voir la 17. Donc l'image que l'on voit correspond bien au dessin animé. Ce n'est pas le personnage, vous voyez ici, bon là, la 25, ils me disent que c'est Alice au Pays des Merveilles. Et ici, c'est bien Alice que l'on voit. Donc là, je vais colorier Alice. Mais je peux voir un autre personnage d'un dessin animé et colorier le personnage opposé du même dessin animé. Donc c'est ça qui est assez sympa, je trouve, dans ce livre-là. Donc, moi, je vais m'amuser à le faire. Donc, on va regarder vite fait les résultats. Alors, on va avoir Pocahontas, on va avoir du Hercule, le génie d'Aladin, Aladin, Zeus dans Hercule, du Stitch, Lilo et Nani dans Lilo et Stitch, du Milo dans Atlantide, encore Atlantide, la petite sirène, Clochette, Belle, Peter Pan, Vaiana, enfin, vous voyez. Alors, comme dans ma précédente vidéo, j'ai regardé 2001. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est paru, le tome 2. Donc, je ne sais pas si je vais avoir des dessins animés récents. 89, 92, 53, 89. Ursula, 59, 77. Je ne suis pas sûre d'avoir des 2000. Ah oui, 2009, Princesse et la Grenouille. C'est plus récent que j'ai vu pour le moment. Après, je regarde vite fait à vue d'œil. Vous voyez en même temps les résultats. 2001. Non, c'est vieux. Enfin, c'est vieux. 2009 est plus récent. 2001. 2003. Non, 2009 est toujours plus récent. 2002, 2001, 2009. 2009, la vote. Ouais. 2009, le plus récent. Non, 2015. 2017. Je me rattrape. 2017 avec Miguel dans Coco. 2017 ici et... Non,
2017, le plus récent. Donc voilà. Donc, et j'ai profité aussi pour acheter les Stabilo Point 88 noirs pour faire mes contours ou pour faire le noir quand c'est, vous savez, des toutes petites zones que les mines, voilà, les peppermates sont trop grosses. Moi, en général, j'utilise des peppermates, des feutres U ou des Stabilo 68 ou d'autres feutres, mais en général, c'est les peppermates pour faire mon noir. Donc voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous allez regarder ma vidéo. C'était une petite vidéo du présentation du livre tome 2. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!